Allez, démarre l'enregistrement. Salut les bros, c'est Lama, on est parti pour cette petite game avec Akali sur la Mylène. On est face à une Lissandra qui elle est partie sur Comet. Je sais pas comment ça se passait, je sais pas comment se passe le match-up. Mais on va bien voir. J'aurais peut-être dû prendre TP, hein. Parce qu'au final, tout à l'heure, la TP Talon a extrêmement bien payé. C'était full beau jeu, la TP Talon. Donc là, est-ce que l'Ignite Akali va payer? Est-ce que c'est trop aggro? On verra bien la réponse dans cet épisode. Vous gagnez combien sur un sub à 4,49? On gagne 70%, donc 3,5. Et ensuite, on déduit les taxes, donc environ moins 30% parce qu'on est en France. Donc au final, on gagne environ 2,5. On gagne à peu près la moitié. Sur un sub 5, on gagne à peu près la moitié. Au final, si on prend en compte toutes les taxes et tout. Parce que Twitch prend 30% plus les taxes françaises. Voilà. Voilà, tout simplement. Et con qu'il n'y ait pas de mode théâtre sur le site, mais ça va arriver ça je pense. Hein. Faudra qu'on le mette sur le site solari.fr. Et d'ailleurs, si jamais vous n'avez jamais été sur le site solari.fr, eh bien n'hésitez plus. Allez voir le site solari.fr et n'hésitez pas à acheter un de ces magnifiques bonnets. Il y a un autre bonnet aussi avec le truc juste en noir. Et je trouvais un peu mieux, mais là j'ai trouvé que celui-là. Hein. Mais tranquille, si jamais vous aimez bien celui-là, eh bien, vous pouvez le prendre. Il y a des petits suites, etc. Donc n'hésitez pas. Et si tu dois te payer avec, c'est encore moins, non? Ah bah si on doit se payer avec, on touche zéro. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Alors brûle. Brûle, brûle, Babylone. Le problème c'est que ces auto-attaques ont plus de dégâts que mon Q-spell, donc c'est chiant. Le matchup a l'air ok. Là pour l'instant. Comet c'est dur hein. C'est assez violent la comète. Est-ce qu'elle a une potion ou pas encore? Impression. C'est mon Z. Ah oh, joli. Ça touche ça? Aïe. Ça fait mal Lys. Et tant que je peux pas l'all-in, c'est-à-dire tant que je ne suis pas encore level 6, bah je peux pas la tuer. C'est chiant. C'est simple de prendre le E contre Lissandra. Enfin pas maintenant en tout cas. Je vais mettre un deuxième point dans mon A. Et merci à toi Dolgarim pour ton sub. Ça va. Ça va. Merci à toi Nero Xburn pour ton sub. Je vais laisser ces deux potions elfes. Bon là je vais le mettre quand même au level 4. Ok, il y a Kha'Zix par là-bas. Seconde. Allons pas décale. T'es mort pour moi le décale. Hein. Parfait, il est mort. Ah, pas ça. Il a fait un flash out là-dessus, mais bon. Est-ce que je l'assiste? Oh, je l'assiste, let's go! Pas oublié qu'il a tout lui. Donc j'ai mon shield magique. Il peut se faire bait par mon shield magique en vrai. Bon, let's go. Bon, salut, hein. Je m'en vais, c'est bon. Le problème de Lissandra, c'est que là pour l'instant elle va me bully. Ce qui est logique. Ça va. Ça va, ça va. J'aurais bien aimé attendre de back pour avoir le. Comment ça s'appelle? Au moins avoir le pistolet là. Le petit gun. Bon, puis j'aurais le temps de tuer. Oh, nice, ça peut tomber là. Ça me va. C'est bon, je pourrais acheter mon petit pistolet, j'ai 32 creeps contre 34, sachant qu'elle met une bonne pression depuis tout à l'heure, c'est assez bien, sous tour c'est correct hein. Voilà. Parfait.
Ah merde, il a pas ult du coup. Attends. C'est pas très grave. C'est pas très grave. De toute façon, moi j'aurai mon power spec à partir de level 6 et j'aurai beaucoup plus de dégâts qu'elle. Oh, il a pas de mana. Oh, dommage. Oh, flash taunt, il a pas ça. Oh, oui, bon, très vite en fait. C'est... Voilà. Je peux rien faire, il s'en va. Je peux rien faire. Remain focused. Ouais, quasi, je peux faire des trucs. Bon, au moins la Lissandra elle n'a rien fait. Est-ce que je peux aller chercher? Peut-être aller chercher. Est-ce qu'il va tenter un truc au niveau de ses groupes? Est-ce qu'il va tenter de faire ses groupes? C'est ça la grande question que je vous pose. Ça doit, non? Il a back. Est-ce qu'il va tenter de dash? Ça m'étonnerait pas qu'il tente de cheese le mec. Ok, c'est bon, il va. Merci. Non, je meurs pas, je meurs pas, je meurs pas. Il m'a pas mis d'auto-attaque, donc je meurs pas. Ah voilà, c'était propre. J'ai pas utilisé mon ignite en plus, donc ça me permet de revenir tranquillement sur ma lane sans trop de soucis. Le seul problème c'est que je vais perdre un peu de creep, mais bon. Perdre un peu de creep pour prendre un kill, ça va. C'est ok. Bah, qu'une Rek'Sai qui balance des runes, c'est beau. Oh, joli. Allez, bien joué. Après, j'avoue que le Rammus est un peu passé à côté, on va dire. Ok, donc il y a une Leona à côté, faut que je fasse attention. Elle est level 5 la Leona, bon, ça doit aller. De toute façon, elle s'est tirée là. Donc le Kha'Zix c'est dans la jungle. Non, le Kha'Zix c'est sur son blue. Hein. Quoique. Attends, vraiment? Tu m'ignores comme ça. T'es une grande malade, hein. Donc j'ai réussi à prendre un kill sur Leona pendant ce temps-là. Mal. Non, l'ignite. Ah, c'est bon, il meurt l'ignite. Oh, dommage. Si c'était focus sur lui, il aurait peut-être pu l'avoir. Ouais, mais bon, même moi je savais pas s'il mourait. Ben, le teammate de Lissandra nous a tellement bien tempo. Pas mal. Il y a un dragon infernal. La wave est pas encore sous tour, donc ça va. J'ai peur quand même du farm. Non, c'est pas ouf. Si la lane était là, j'aurais été confiant. La lane est là, je suis moins confiant quoi. Ouais, le fait qu'elle soit là, c'est pas ouf. Donc allons-y. Non, ça va, non, ça va. Ah, ça va moins. Non, si j'avais pas ce tour. Putain, c'est chill. Ouais, je perds un peu de farm quand même. C'est pas ouf. Il fait quoi lui? C'est le forceur, hein. Incroyable son forcing à lui. What the fuck, il est où? Parti tellement loin, tellement vite. Il nous a mis un jupe là, non? C'est pas genre sur les loups, un truc comme ça. Bon, je jure, c'est un ninja. Il a legit disparu de la map. Ah. Oh là, les esquives. Alors tiens, c'est mort. J'ai mon Z full. Bon, ça va. J'ai mis une putain de salsa. Gros, ici j'ai dansé des trucs de fou, hein. C'était full beau jeu, ça.
Ça c'est le beau jeu qu'on aime. Non, comment? Je peux pas. Il a pas les dégâts. Il a pas dû maxer son taunt, le taunt a pas duré assez longtemps je trouve. Ils avaient été éliminés en 8ème du Challenge France. Non, ils ont pas été jusqu'au playoff au Challenge France. Ils ont fait 5ème, il fallait être minimum 4ème pour aller jusqu'au playoff. Pourquoi j'ai pris de la MR? Oh, on est Mercure, si. Il y a deux stuns quoi. Merci à toi, Daniele HOTS. Bon, par contre, ton HOTS. HOTS, c'est non, hein. C'est refusé par la street ici. J'avais pas le stun dessus, t'inquiète. Hein. T'inquiète, ne panique pas comme ça, mon ami. Par contre, maintenant, t'as plus ta griffe. Allez, go faire le Drake. Merde. J'ai pris le mur. C'est bien, c'est bon. Oh, c'est bon maintenant. Ah, les CC de Leona, c'est chiant. Pas trop bien, un carapateur. On pourrait le sortir en vrai. Pour moins s'exploser aussi, on pourrait sortir le Drake. Par contre le Drake m'a démonté la gueule. J'avais sur une griffe, hein, de 50, peu de peu. What, ça cancel? Ah oui. Bah oui, logique. Ah oui, c'est un projectile le E. Donc le Brom il a flash wall. Oh, il a baisé. Oh, il a baisé de fou. J'étais en mode, mais pourquoi il fait ça? Mais en fait il a trop baisé. Oh non non non, level de malade. Level de malade, c'est un génie, c'est un génie. C'est le boss. Il y a des plays dans cette game, ça fait plaisir, hein. C'est une game agréable à regarder. Et à jouer surtout, j'imagine. C'est pas ouf, le mec a agréé son flashpoint. Bah non, il a tué Lysandra. Au final, Lysandra est morte et elle a laissé son flash. Parce qu'elle a pas pu s'escape avec sa griffe. Donc, flash du support contre flash du midliner. Qui plus est, Lysandra. Et avec son flash peut être chiante. C'est pas mal. Surtout quand tu récupères un kill. Donc là c'est encore plus worse. Est-ce qu'il va passer par là? Il va se tirer. C'est bien ce qui me semblait. Il n'y avait aucune chance qu'à TP hein. Là si elle TP je la tue hein. Si elle TP en face de moi comme ça sans pression est-ce qu'il s'appelle le respect qui doit être instauré quoi. Non. Allez, salut les bros, c'était l'RB. Ah, c'est la régalade, hein. En plus, on a besoin d'armure, donc... Oh, c'est parfait, mais c'est parfait, ce Zonia. Il vient de donner de l'armure qui nous manquait.
Oublie pas le piston, t'aurais pu la burst un peu plus et te faire moins peur sur le... Non, c'était prévu. C'était calculé tout ça. J'avais besoin de me faire un peu peur, parfois t'as besoin d'un peu d'adrénaline quand tu as LOL. Oh, il aurait dû le dash in. Et en gros, si le dash in, il peut lui remettre un deuxième dash même s'il y a l'ultimate qui a été, enfin, qui a été balancé. Petit misplay de la part du clan. Et un mec qui step up sur une nuit. Tu vois, j'ai step up de fou sur LOL et sur Fortnite, hein, n'oublions pas. Ouais, dommage. Je pense que vous me donnez n'importe quel jeu là, demain je deviens le meilleur joueur du monde. N'importe lequel. Même les Sims, je deviens le meilleur joueur du monde des Sims. Dofus, non, Dofus trop facile. Putain, le mec, Dofus trop facile. C'est vraiment chiant pour Dofus. C'est technique de malade, hein. Oh, tu nous attaques, tu nous attaques. C'est pas si free win, hein. Faut faire attention quand même. Il faut tout de même faire gaffe. Osu, ouais, Osu, je suis un meilleur joueur du monde, je pense, en une ou deux heures à peu près. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de challenge en fait. Il faudra un jour, il faut au moins 3 heures pour que je devienne le meilleur joueur du monde. Oh, merde, je suis branlé. Tiré de là, moi. Tu vois, c'est pas si win, donc faut faire attention. Et c'est moi qui dis ça quand même, hein. Faut se rendre compte, hein. Dès le moment où c'est moi qui dis ça, c'est qu'il y a un problème dans la game. Si c'est moi qui dis ça, c'est-à-dire que ma team fait vraiment vraiment de la merde. Je veux devenir le meilleur joueur du jeu et dépasser le 4. Ah mais ça c'est... Si je travaille, je pense que j'ai un champion du monde, donc flemme. Ne sous-estimez pas, ne sous-estimez pas le seigneur bisou. J'arrive mid. Il y a tous un cœur sur moi, non? Ça c'est un peu du grid, tu vois. Il faut ce genre de move si jamais je veux ne pas trop être le meilleur joueur du monde, tu vois. Donc merci à toi, Trapsad, pour ton sub. Non mais faut que je tryhard un peu là, faut que je me focus, j'avoue que là on donne des kills pour rien. Et c'est un peu de la merde. Après on est quand même sur un Varus qui est très bien dans la game, moi je suis très bien dans la game, y'a pas de soucis. Le Ramus c'est pas très bien dans la game et le Kled est pas très bien dans la game. Par contre en même temps il a un build de merde. Le Kled il a fait vraiment le pire build, hein. Allez, je vais aller body fait. J'avoue que j'ai pris le bus du karma, exactement. C'est à faire le beau, puis tomber dans le ravin. Là, c'est un nouveau dicton, les gars. Cette expression déjà sous le sens, touche pas, comment ça? Je ne sais pas qui peut, qui d'autre que moi peut dire cette merde. À part peut-être Narcus, non Narcus il peut dire. Ah vous faites du caca là, attendez, attendez, j'arrive. Oh oui, le Varus est bien positionné, le Varus est extrêmement bien positionné. Ça va être vite, on va les détruire, c'est bon, c'est bon. T'inquiète pas, oh t'as intérêt à bien dash loin toi. Salut. Salut. Putain, elle a flash. Elle a flash, Salona. Ok, bah on a short dans 4 secondes. Y'a le red buff qui devrait spawn d'ici bah moins de 20 secondes, hein, vu qu'il y a l'icône qui annonce que le red buff respawn dans moins de 20 secondes. Bon, du coup, par contre.
Enculé, va. Ok. Ok, ça risque d'être chaud. Quoi? Oh, ça pas proc. Ah, j'ai dû en mettre deux. J'ai dû en mettre deux, je pense. C'est bizarre quand même, hein. J'ai dû me faire CC peut-être, sinon au moment des auto-attaques, j'en sais rien. J'en sais rien. J'ai troll. Double de rang, 300 gold. Enfin, ça... Bon, enfin, non. Allez, go vers le Nash. Je pense que. Attends, no air. Attention. No air, lisse. Putain. Donc, l'IGS va être stream sur Solari. Oui, l'IGS va être stream sur Solari. Oh, quel level! Quel level! Quelle session de contrôle incroyable de la part de ce joueur. Bon, j'avoue qu'on a le Rédempteur là qui fait un bon taf de Black Lane. Le seul problème c'est qu'on a pas Kled, c'est chaud. Ouais, c'est assez logique. Ah, j'ai pas pu le tuer. On va prendre un inhib, normalement ça va. Est-ce qu'ils vont prendre plus? Ils vont prendre un inhib aussi, je pense. Putain, ils ont trop le CC, c'est super frustrant de jouer à Kali quand tu joues contre une composition avec autant de CC, c'est super dur. On va prendre un inhib, ils vont normalement pas prendre un inhib eux. Non, ils vont pas prendre un inhib. Donc j'ai réussi à tuer le Gnar, j'ai pas réussi à tuer la Tristana. J'aurais pu l'avoir, je pense. Oh, ils vont prendre clairement pas l'inhib. Là, il va falloir aller chercher le Nash en plus. Ça va. Oh, what a side step! Bien joué à lui. Allez go Nash. Ah mon Zonia. Ouais, bon, après est-ce que ça aurait changé grand chose? Je pense que oui, peut-être. Mais il m'aurait chopé à la sortie de Zonia instant. Elle m'aurait mis un stun, je me serais fait one shot je pense. Pas sûr. Pas sûr, ça aurait pu changer la diff. Ça aurait pu faire la diff je pense. Et je pense que Solari joue vers 13h normalement. Donc voilà. Merci à toi Nico Coq pour ton sub. Oui. Allez on y va, on va le chercher. Pas d'Elo. Non, ils sont chiants. Hop, Zonia, utilisé. Ah bah il était pas là, dommage. Je pensais qu'il allait essayer de me trade en fait, non j'avoue que j'aurais jamais pu trade. Nobody don't know how should... Quoi? Nobody don't know how should they play? Les gars, quelqu'un comprend quelque chose à ça là? Nobody don't... gros... Personne ne sait pas... Personne ne sait pas comment il devrait jouer. J'ai demandé French. Parce que les Français, c'est les mecs qui sont les plus mauvais en anglais. En vrai. Dans la moyenne européenne, c'est des mecs qui sont très mauvais en anglais, généralement les Français. Il n'a pas répondu. On regardera le nom de Serune après pour voir s'il est français ou pas. Parce que j'avoue que ce serait bien significatif du. Je laisse comme ça, salut. Allez, on y va. Non, pas cliché du tout, il y a les Espagnols aussi. Ah oui, les Espagnols aussi sont très mauvais en anglais. Mais c'est une moyenne globale qui a été faite sur pas mal de stats et je pense que c'est pas faux, hein. Moi je pense que c'est vérifié. Donc c'est pas des clichés pour le coup. Il y a des choses qui sont des clichés, ça en donne pas un quoi. Oh, salut. Salut Léona. Oh, elle va passer par là.
Moi je me régénère, attendez je me régénère vite fait, j'arrive. Ok, je vais m'ignite, je vais def. T'es en train de me régénérer derrière, attendez. Mais il y a une tour ici, merde. Faut que je me régénère encore. Attendez. Oh merde, j'ai pas le temps de mettre mon Z. Oh, j'avais pas mon Z, merde. Oh le con. Oh le con, j'ai une. Vas-y, go Drake. Là, il le tue, je pense, si jamais il go. Oh, je pensais grave que j'avais mon Z. J'étais en mode, je me régénère tranquillement, y'a pas de soucis. Tranquillement. Oh my bad. En plus, c'est un 2000. Ah, c'est pour ça. Je pense que c'est un 2000. C'est un français de 2000. Et c'est pour ça qu'il a un peu du mal avec l'anglais. Dans ce cas-là, il est pardonné. Après, quoique 2001, ça fait que t'as quand même maintenant 16 ans. À 16 ans, t'es censé avoir certaines bases d'anglais. Ah non, 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 c'est pas validé alors. Ce n'est pas validé. Ah, mais c'est pas lui qui a parlé tout à l'heure, si. C'est lui. C'est lui. Oui, si, c'est lui. Putain, ça monte vite l'âge maintenant. Un 2001, il a 16 ans. C'est ouf. Ah ouais. Non mais ça changerait que ce soit 2000 ou 2001. Mais je veux dire que normalement t'es censé avoir des bases d'anglais quel que soit l'âge. Après genre, tu vois, dans ma tête, un 2001 c'était un mec qui avait genre 12 ans, tu vois. Donc forcément je me dis, s'il est mauvais en anglais, c'est normal, peut-être qu'il a pas encore bien appris les trucs en anglais. Mais là il a 16 ans, donc il peut être bon en anglais, c'est ça que je veux dire. Putain, mais j'ai 10 ans de plus que lui. 10 ans, vous vous rendez compte? Je suis en 91 moi. Oh, j'ai 3000 jours de plus que lui. Ouais, allez, c'est bon, bah t'es mort pour le moment. Ça dégage. Oh, oui. Oh, le dash. Le dash stylé. Stylé. C'était le dash avec du style. Bon, par contre, ils peuvent pas défendre cette île. Non. Dash, tu meurs toi, non? Non, elle meurt pas. Ah, ils vont mourir. Ils vont tous mourir. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, ils vont tous mourir. Bien joué à lui. Le golden dash, exact. Le golden dash. Ceux qui ont plus de 20 ans, go trouver un travail. Ah, j'avoue que j'aurais trouvé un travail à un moment là. Il suffit de jouer à des jeux vidéo, quelle connerie. Qu'est-ce que je fais de ma vie moi? Joueur de jeux vidéo. Il y en a qui disent que c'est un métier. Des malades, jeux vidéo un métier. Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut regarder des gens jouer aux jeux vidéo en fait. C'est. Ah, je sais pas. C'est quand même assez bizarre, hein, je trouve. Hein. Honnêtement, il vaut mieux sortir dehors ou faire du foot avec ses amis. Je pense que c'est ça la norme. Jouer aux jeux vidéo, ça n'existe pas. Un jeu vidéo, c'est un divertissement. Ce n'est en aucun cas un métier. Voyons. C'est fou. Alors qu'un bon match de football, là, c'est vraiment ce qu'il nous faut. C'est magnifique. Là, c'est de la compétition, c'est du sport. On sent que ça fatigue, alors que le jeu vidéo, ça ne fatigue pas. Bien entendu. Alors, on augmente un peu nos dégâts pour terminer. Nous remportons cette game de jeux vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette partie. J'espère que ça vous a plu. Malgré le fait que le jeu vidéo ne soit pas un métier, merci à vous d'avoir regardé. Et voilà. Salut. J'espère que ça vous a plu. Bisous. Abonnez-vous. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Et suivez les réseaux sociaux de Solary. Salut les bros.